Alors, à ce jour, la seule contre-indication formelle et absolue concerne les personnes qui ont des antécédents d'allergie grave. Alors, lorsqu'on parle d'allergie grave, on parle évidemment de quelqu'un qui aura un essoufflement brutal, ce qu'on appelle une dyspnée aiguë, ou un choc allergique. On ne parle pas d'une petite douleur abdominale ou d'une diarrhée. Mais dans ce cas-là, c'est une contre-indication absolue et formelle. Par mesure de précaution ou parfois de confort, la vaccination ne sera pas administrée dans des cas particuliers. Par exemple, les personnes qui ont de la fièvre ou des signes d'une infection aiguë, on ne va pas vacciner à ce moment-là et on attendra la résolution de l'épisode aigu comme on le fait pour toute vaccination. Les personnes qui ont eu un test PCR positif et qui restent asymptomatiques, mais dont ce test a été fait moins de 2 semaines avant la vaccination, on va attendre une période de 2 semaines avant de proposer la vaccination également. Alors, on pose aussi la prudence pour les personnes qui ont des troubles graves de la coagulation. Alors, on ne parle pas ici de personnes qui sont sous anticoagulants bien dosés ou d'aspirine. Pour cela, avec leur médecin, on verra pour les précautions supplémentaires, mais c'est lié au fait que l'on va faire une injection intramusculaire dans le deltoïde et que donc on veut avoir les précautions maximes. Pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, on ne va pas administrer le vaccin par principe de précaution. Pas parce qu'il y a un risque établi, mais parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de données suffisantes pour pouvoir trancher si c'est nocif ou pas. Et enfin, c'est la même chose pour les dames qui ont un désir de grossesse. Par précaution, après le deuxième vaccin, on attendra 2 mois avant une conception, mais là aussi, il n'y a aucune donnée qu'il y a un risque établi, mais c'est par principe de précaution. Le dernier point, c'est qu'on ne vaccinera pas les enfants ou les personnes en dessous de 16 ans, parce qu'aujourd'hui, le vaccin qui est édité par Pfizer, par exemple, n'a pas été testé dans cette population. Donc, quoi qu'il arrive, si vous avez le moindre doute quant à votre éligibilité au vaccin, votre médecin traitant ou le médecin qui vous suit pourra vous donner les conseils nécessaires.